Alors, déjà, bah, on sauvegarde. Hein. C'est le jeu de la sauvegarde. Hop, quatrième étage. Ce serait bien qu'on ait des petites... comment dire? Des validés à côté des étages qu'on a déjà fait. Quoique, on sait bien quel niveau on a, et il suffit qu'on compte et puis ça ira très bien. Oui, c'est parti. Je suis chaud là, je suis chaud. Putain, en espérant que ce soit pas aussi dur que le deuxième étage. Ah, j'ai l'impression d'être à Mortegarde. Alors, qu'est-ce que ça donne ce coup-ci? On va vite le savoir. J'ai repéré le PNJ porteur de quête. Il y a une sale gueule, le PNJ. Hein. Il y a un zombie. Pitié! Étranger! Sauvez-nous! Ah, je fais bien, ça. Ok. C'est tout? Pourquoi il s'est arrêté de parler? Ça vient d'un problème de connexion? Non, il s'est juste endormi. Ne me dites pas que c'est encore une histoire de malédiction. On dirait un loup-garou, là. Ok, je veux pas vous faire les cris, non. Hein? Qui? Que? Quoi? D'où vient ce raffut? Du château! Ou plus précisément du comte Eduardo et de son loup-garou de compagnie, le féroce Jacobin. Ces deux-là font vivre un calvaire aux habitants des villages alentours. Ils passent leur temps à faire des expériences douteuses en combinant des flux magiques interdits et ça provoque des effets secondaires à des kilomètres à la ronde. Il suffit de me regarder pour se faire une idée. Ah, je savais bien qu'il avait une sale gueule. Ça les a rendus complètement fous et pour couronner le tout, ils ont dû trouver... merde, pardon. Ça les a rendus complètement fous, et pour couronner le tout, ils ont dû trouver un moyen d'amplifier leurs cordes vocales, parce qu'on n'entend que. Je vous en conjure, allez les faire taire une bonne fois pour toutes. On est tous au bord de la crise de nerfs. Quête acceptée. On va taper du loup-garou. Nouvelle bébête à mettre dans le bestiaire. Ok, est-ce qu'il y a des trucs à looter? Non. Là, je m'attendrais presque que ça soit à pousser. Tu... C'est... Non, ouais. Non, non, rien. Rien. Ah! Oh! Merde, 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 merde. J'avais raison, il y avait un truc à faire avec ça. Et on peut le pousser? Non. Ah là là. Oh, on va se battre encore contre des squelettes. Des squelettes mages. Ouais, mais c'est ça, c'est la tour... C'est la tour... C'est le château de Mortegarde. Alors... C'est parti pour un baston. Immunité saignement. Bah ouais, tu m'étonnes. Il a même pas de peau, il est que des os. Ah ouais, mais du coup, t'as plus l'attaque. T'as une... T'as quoi, ça? C'est effet... Effectue une puissante frappe sur un ennemi lui appliquant étourdissement. Oh, c'est bon ça. Allez, boum! Tu fais dodo. Ah, il a pas fait dodo très longtemps. Oh, 200 de dégâts. C'est pas cool ça, c'est pas cool. On va faire un petit tranchant et une petite brûlure. Ouais, lui, il a l'air d'être quand même un mage. Hein. Il est immunisé. Ah oui, non, mais c'est vrai, il est immunisé contre le. Contre le saignement. Il y a quelques détails comme ça qu'on zappe. Ok, bon, on arrête de faire le con parce que j'ai l'impression qu'on va se faire. Qu'on va se prendre une déculottée monumentale si je continue. Hop, donc déjà, on se tape une petite provoque sur tout le monde. Ensuite, on tape sur tout le monde. Oh merde! On a perdu log. Ok. Une petite résurrection. Ah, il a un bouclier. Il a un bouclier log du coup. C'est moi où il a perdu son chapeau. Il n'y a pas un chapeau.
Bon, il a encore assez de vie de rec, donc on va faire une attaque de zone. Arrêtez d'esquiver, c'est pas vrai. Une petite provocation. Un petit soin magique. Ouais, tu vas le faire sur toi. Et Log fera un soin magique également. Non, merde, mais quel boulet! C'était pas sur le bon. Ah mince, il a pas assez de rage. Oh putain, un pixel. Même pas, le pixel il est pas visible. Mais non, mais lève-toi. Putain, je peux pas te soigner. Je peux pas te ramener. Et ben, je ramène Drake. Je restaure la vie de Drake. Et puis bah on va continuer à taper gentiment. Là on tape sur tout le monde, comme ça déjà on a le mage qui dégage. Un petit étourdissement sur lui, ça serait pas mal. Squelette berserker. Ouais. Un petit soin par contre, ça serait pas de refus non plus. Ouais, bah ça va être chaud. Le premier ennemi, il me fout KO deux fois un mec. Ça va être chaud. Une petite brûlure, un petit éclair. Hop. Ah bah non, t'as plus de... D'accord, t'as plus de rage. Ah mais faut qu'ils arrêtent d'être immunisés hein. contre le saignement, ça commence à être gonflant. Je peux pas leur foutre du saignement comme je veux. Bon, dis-moi que tu peux la ramener. Ouais, nickel. Ça te coûte 50 de mana, mais c'est pas grave. Ok, ça c'est bon. Ok, bon, non, je vais faire cette attaque-là, ça sera très bien. Toi, tu vas te soigner. Ouais, ça rend du mana, mais ça rend compte. Tu vas rendre du mana à Mei. Ouh, joli. J'aurais peut-être pas dû en vendre les fioles de mana quand même, mais bon. Toi tu vas taper, récupérer de la vie. Toi tu vas nous l'assommer. Oh quoi, t'as même peut-être pas besoin. Bah si, parce que je vais soigner tout le monde. Ah, t'as plus assez. Ah non, c'est la résurrection, je suppose. Bah oui, tu peux pas ramener à la vie quelqu'un, il y a personne de mort. Ok, ça c'est bon. On a passé le premier ennemi. Putain, s'ils sont tous comme ça, ça promet. Ah ouais, d'accord. 6 secondes à chaque fois. Ah putain! Ah d'accord, faut allumer les deux bûchers. Il va falloir. Ouais, faut qu'on le bousille lui parce que j'aurai jamais le temps sinon. Ok. Alors. Bah c'est parti. Hein.
sont juste chiants avec leur leur non-saignement, du coup. Leur immunité au saignement. Efficacité, brûlure. Hop, on va réduire leur vitesse à tous. Ok, ça va, on a fait de l'esquive. Une petite provoque sur tout le monde. Il est encore assommé, lui, ouais. Par contre, Mei, tu vas te soigner. Tu vas utiliser la rage pour pouvoir te soigner. Ça sera pas mal. Une attaque sur tout le monde. Bon, maintenant que je sais qu'il faut que je fasse gaffe, ça passe beaucoup mieux, mais bon. Bah non, tranche, bah non. Par contre, tranche et brûlure, ça peut être pas mal. Éclair et brûlure. Bon, bah, de toute façon, voilà. Ah ! Ah d'accord, donc ça, l'effet passe sur un ennemi à côté. Ça c'est bien, je crois que dans la 2.0 ça y était pas. Du moins je ne me souviens pas l'avoir vu. Mais ça c'est bien, en plus c'est logique, enfin c'est logique, on voyait ça dans la plupart des RPG. Et on le voit je crois encore, toujours. Oh, Rage Berserker, ça c'est pas bon ça. Qu'est-ce que je vais faire comme attaque? Ah parce que je peux pas me soigner, une attaque sur tout le monde. Que derrière faut qu'on te soigne. Voilà. Mais laisse-le tranquille, il est gentil, fais-lui un bisou. À nouveau une vague pour les ralentir. Ok, ça c'est bon. Ah, il a... Ah oui, quand il est en rage, ça fait une double efficacité, j'ai l'impression. Il y a moyen. Un petit étourdissement. Hop. Ouais, on a Mei, on a Log à soigner. C'est risqué, t'as plus de vie là. Ouais, mais il n'y a pas de saignement. Bon, mais il va se soigner. Sinon, elle va y passer. Voilà. Bon, et là, à tous les coups, ça a arrêté l'action. Ah, mais j'ai pu l'allumer quand même, l'autre. Ok. Enfin, il reste... Je m'attendais à ce qu'il s'éteigne. Ok, donc ça, c'est bon. Il y a un truc avec le bouquin, j'ai l'impression. Non. Ouais, par contre, il va falloir qu'on... Ah, putain, faut qu'on se batte chaque ennemi. Sinon, j'arriverai pas à allumer les bûchers. Ok. Bon, on va se taper déjà l'espèce de mage, comme d'hab.
Moi, tu vas commencer par te soigner. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont tous décidé à te taper dessus. T'as une tête qui leur revient pas, peut-être. On va faire une provoque sur tout le monde. Ça, c'est horrible. J'ai horreur de faire si peu de dégâts. Merde, c'était pas sur le bon. Je me suis trompé de touche. J'ai pas assez de rage pour attaquer. Il y a des risques que Buster il y passe. On va éviter la provocation du coup. Ah mais oui non je suis con, ils sont encore sur la provocation de Drake. Du coup toi tu vas soigner Buster. Oh l'esquive. Ok, est-ce qu'on soigne Drake? Ouais. Ok, on a presque fini avec cet ennemi là. Hop. Ils font mal. Il va rentrer dans une folie le bestiau. Ok, le prochain attaqué c'est lui, donc on va le sonner. Deuxième enfin brûlure éclair sur l'autre aussi. Tu vas te donner du soin, ouais, mais il va en avoir besoin. Non, on y est presque. Bon, après, il y en a encore deux à éclater. Ok, encore deux éclatés. Donc on a gagné de l'équipement, c'est bien. Je crois que je peux pas mettre de bouclier avec... Ouais, c'est ça. Je peux pas mettre de bouclier. Ouais, non. Ok, ça. Ok. Au niveau talent, je pense... Au niveau talent, je pense pas qu'ils aient récupéré de points supplémentaires. Non. Bon, on va allumer un par un les trucs.
Ah, il y en a un allumé ici aussi, ok. Ok. Ok, ok, rien à récupérer par ici, ça... Non. Et si j'essaye de passer dans leur dos? Oh, ça passe, ça marche. Ah merde, ça passe pas. Ah, c'est dommage. Et on risque de perdre de Drake par contre. Ah, ça va. C'est limite, mais ça passe. On va assommer celui-là. Merde, t'as plus de magie. T'as plus de mana. Tu vas boire une petite potion de mana. Ça donne 50, c'est pas ouf. Bon, après, toi, tu peux soigner Drake, c'est pas un souci. Heureusement qu'on l'a soigné. Hein. Ah merde, on a perdu Log. Dommage. Toi, une petite résurrection. Il va falloir te redonner une potion. Par contre, ouais, il y a plus grand monde qui a des points de vie là. Ça va être chaud. Déjà, Drake, lui, il va récupérer des points de vie grâce à sa rage. Voilà. Peut-être qu'il faut un coup de provoque. Alors du soin, on va faire du soin sur Mei. Non, sur Log. Il a des, il a encore des jolies petites compétences à, de soins à utiliser. Un peu chiant le, les squelettes en fait. On va pouvoir leur foutre de saignement, c'est pas cool. Il y a moyen de soigner tout le monde. Ouais, j'ai pas un... Non, je pense, je crois... Ouais, non, t'as pas de sort pour soigner tout le monde. Bon, c'est pas grave. Ah, on a perdu Mei. Ah, dommage. Ah, la tristesse. Ouais, ouais, jolie tristesse, hein, parce que là, pour... Si, je lui fous un étourdissement, ça sera bien. J'utilise Log pour ramener Mei. Sauf que Log n'a plus assez de mana. Donc on va devoir attendre le tour prochain. Parce que le tour prochain, on va perdre Drake à tous les coups. Ah non, coup de bol. Hop, on ramène Mei. Ok,
qu'on va la reperdre. C'est de sûr. Putain, t'as plus assez de rage. Lequel a le... C'est celui-là qui a le moins de vie. Tu vas faire une petite provoque sur Suisse. Ah mais putain, pourquoi il esquive? Ah j'aime pas ça la pluie de flèche. Ah bah on a perdu. Okay. Ça devient compliqué là. Dans un tour, j'aurai à nous. Ouais, mais j'aurai pas assez de mana. Ouais, par contre, faut que tu te soignes. C'est chaud, faut qu'il arrive à se faire terminer. Ça devrait le faire. Par contre, ça va être chaud après. Très chaud. Bah, il perd le contrôle, il n'y a qu'une seule personne à attaquer. À moins qu'il puisse se taper dessus. Bon, au moins, ça les ramène tous, mais... C'est critique. Ouais, c'est critique. Alors à moins qu'on regagne des points de vie. Là par contre je serais pour qu'on récupère des points de vie. Allez, barre-toi. Quoique... Ouais non, je suis obligé de m'en prendre un. Je suis obligé de me le prendre. Putain, Drake, t'as plus de vie. Merde, c'est pas lui que je voulais attaquer. Là, ils font une attaque de zone et je suis foutu. Voilà, il me reste que Drake. Putain, y a pas moyen de fuir. Bon, bah non, il n'y avait pas moyen de fuir. Ah, c'est là que c'est chiant le fait que les potions de soin on puisse pas les utiliser. Ah, je vais être obligé de faire la même technique que précédemment. Transférer sur la version 2.0. Ouais mais attends. Dans la version 2.0, le quatrième étage n'était pas dispo je crois. Bon on va voir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime. Et vous aurez du gâteau.